Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici au bord de la Méditerranée à Istres. Nous sommes sur la base aérienne 125 de l'armée de l'air et plus précisément sur le tarmac du groupe de ravitaillement Bretagne, dont la mission, vous l'avez peut-être déjà compris, est de ravitailler en vol nos avions mais aussi ceux des armées amies. Alors nous serons dans quelques instants à bord d'un de ces appareils pour suivre cette mission. Mais tout d'abord, vous en avez l'habitude, petit survol de ce qui vous attend au cours des 26 prochaines minutes. Voici le sommaire de ce carnet de vol. Dans quelques instants, des images à couper le souffle avec sans doute la plus belle vue aéronautique du monde, celle de l'opérateur de ravitaillement en vol, une fenêtre ouverte sur 8000 mètres de vide. Et de cette fenêtre, nous verrons de près, de très près, même des chasseurs F-16 belges venus faire le plein de kérosène. Encore plus impressionnant, un AWACS, un énorme avion radar qui viendra lui aussi faire le plein à quelques mètres de nous. Enfin, petit crochet par Toulouse et Madrid pour découvrir le futur avion ravitailleur de l'armée française, un Airbus A330 appelé MRTT. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir chez vous. Merci. On est dans la salle des cartes où vos équipages peuvent préparer leur mission. Alors, je le disais tout à l'heure en ouverture de l'émission, vous êtes le seul escadron en France capable de ravitailler en vol nos avions et ceux de nos amis. C'est pas une grosse responsabilité quand même pour vous ? Alors si, c'est une très grosse responsabilité, donc je corrige un tout petit peu, il existe d'autres unités qui sont capables de ravitailler en vol. C'est le cas des escadrons de Transal notamment, et bientôt de la 400M. Mais c'est vrai que c'est nous la plus grosse unité de ravitaillement en vol, d'où la très grosse responsabilité. Et puis vous l'avez précisé, on ravitaille également les avions de nos pays amis et alliés. Alors, comment est-ce que ça se passe? Le ravitaillement, c'est né d'où, de quelle idée, le ravitaillement en vol? Alors, c'est une idée qui est assez simple, finalement. Un avion de chasse ou de bombardement a une autonomie qui, pour les avions français, est entre 1h30, 2h, 2h30, grand maximum. L'idée est donc de leur donner du carburant en vol pour qu'ils puissent rester en vol plus longtemps, ce qui permet à un avion de chasse d'aller plus loin ou de rester plus longtemps sur une zone. Alors, vous faites partie des forces aériennes stratégiques. Pourquoi ? Parce qu'il me semble qu'à l'origine, votre mission était liée au bombardement nucléaire. Alors voilà, le ravitaillement en vol français, lui, est historiquement lié à la mission de dissuasion nucléaire aéroportée, puisqu'en 1964, quand le général de Gaulle décide d'équiper la France de l'arme atomique, le premier porteur, c'est le Mirage 4. Célèbre avion français. Exactement. Et donc, pour aller loin avec ce Mirage 4, eh bien, il faut du ravitaillement en vol. Et donc, on a acheté à l'US Air Force des Boeing C-135 qui, de suite, ont formé le couple mythique de la dissuasion nucléaire, Boeing et Mirage 4. Alors, aujourd'hui, plus de Mirage 4 en service. Hein, c'est le Rafale qui a repris la mission et le Mirage 2000 et aussi. Quelques mois encore. Oui. Voilà, quelques mois encore. Mais vous restez quand même opérationnel sur pratiquement toutes les opérations extérieures françaises. Pourquoi est-ce que vous êtes si indispensable? Alors, effectivement, la mission de dissuasion, c'est notre mission principale au groupe de ravitaillement en vol. Pour autant, on est sur tout le spectre de missions de l'armée de l'air, intervention ou projection ou protection. Donc, le ravitaillement en vol, aujourd'hui, comme je le disais, permet à un avion de chasse de rester très longtemps en l'air. Ça, c'est une capacité qui est très utile, notamment pour la protection du territoire français. Nos avions de police du ciel, lorsqu'ils décollent, pour maintenir une zone d'intérêt un peu plus longtemps, vont de suite se tourner vers nous pour le ravitaillement en vol. La notion de projection de puissance aussi est très intéressante et apportée par le ravitaillement en vol. Lorsqu'on a fait la première mission de bombardement au Mali, en 2013, les Rafales ont décollé de Saint-Dizier et sont allés frapper directement au Mali, tout ça en une mission. Sans ravitaillement en vol, ça n'aurait pas été possible. Et puis la notion de maintien de zone également au-dessus d'un territoire hostile a tout son sens, notamment à l'heure actuelle au-dessus du Levant ou du Sahel, où nous sommes là en soutien des avions de chasse français ou étrangers. Il n'y a pas d'opération récente auxquelles vous n'ayez pas participé, par exemple? On participe à toutes les dernières opérations de l'armée de l'air, en intégralité. Alors, on vient de parler de la mission, parlons un peu du personnel et des appareils. Combien de personnes travaillent au groupe de ravitaillement en Bretagne et combien d'appareils à votre disposition? Alors, donc, le groupe de ravitaillement en vol regroupe environ 110 personnes, entre 110 et 120 personnes,
essentiellement du personnel navigant, donc qui met en œuvre ces avions. Nous avons 14 Boeing C-135 ici à Istres, 11 d'un standard FR, dit FR, et 3 du standard KR, voilà, qui ont été rénovés tous les deux récemment. Bon, bah écoutez, je vous remercie en tout cas de nous accueillir et de nous permettre surtout de suivre une mission à bord d'un de vos appareils. Avec grand plaisir. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci de nous accueillir à bord d'un de ces ravitailleurs. D'abord, c'est quoi comme appareil? C'est un C-135FR ou un KC-135? Alors ça, c'est un KC-135. RG, c'est un Gatem en fait, il est au standard américain. D'accord. La grosse différence avec le C-135FR, c'est qu'en fait, le 135FR, lui, est au standard français, il a été rénové au niveau français, ouais. Et celui-là a été acheté directement chez les Américains. Une des différences principales, c'est au niveau des points de ravitaillement. D'accord. En fait, bon. le on va aller voir peut-être. On va aller voir, allez, tout à fait. On y va. Montrez-moi. Grosse bête hein, quand même. Ah, tout à fait, oui. C'est un Boeing 707, c'est ça? C'est ça. Donc, en fait, ça a été créé après la guerre de 39-45, dans les années 50. Ouais. Le Boeing 707, c'est un dérivé du Boeing 707, en fait. D'accord. Voilà. Donc, c'est un avion de ligne, mais qui a été réaménagé qui militaire. Qui a été, voilà, modifié par les Américains à l'époque, dans les années 50. D'accord. Donc là, on arrive près de la perche. Voilà, ça, c'est la perche de ravitaillement en vol. D'accord. Donc là, voilà ce que je disais, la grosse différence avec le C-135FR, ouais. C'est qu'ici, il n'y a qu'un seul point de ravitaillement en vol. D'accord. C'est uniquement la perche qu'on peut monter soit en BDI avec le tuyau comme on voit là-bas, ouais. Soit en rigide. C'est aujourd'hui, en fait, on va faire du rigide avec les F-16 belges et la WAX. D'accord. Combien de carburant d'abord on peut emporter? Alors là, on peut emporter jusqu'à à peu près 19 000 livres de 190 000 livres de carburant. C'est une grosse quantité là. Voilà, c'est ça, ça fait à peu près dans les 90 tonnes. Ouais. Et donc on va voir où on fait l'avitaillement. D'accord. Alors. Donc ça en fait ça se situe au niveau du train d'atterrissage. D'accord. Dans la soute du train d'atterrissage. C'est à cet endroit-là, et ouais. Uniquement à cet endroit-là, en fait, qu'on peut effectuer l'avitaillement par un camion et un tuyau simple. D'accord. Bon, et là, les pleins sont faits? Les pleins sont faits, on va pouvoir partir. Mais j'ai pas vu de passerelle, comment est-ce qu'on monte à bord? Ah ben, pour monter à bord, en fait, on va monter grâce à une échelle. Ah bon? C'est une des grosses différences avec un avion de ligne. Ouais. Une échelle. Tout à fait, voilà, qui arrive directement en cabine. Ah, c'est guerrier quand même. Voilà, ben, parce que c'est quand même à la base un avion de guerre, quoi, pour faire la guerre. Donc l'entrée principale de l'avion, ce qu'on appelle la crew entry door, c'est l'entrée équipage. D'accord. Elle se fait par ici. Bon, je vous laisse monter, je monte après vous. Pour Allez, voir, je monte. C'est parti. Comment ça se passe? À une main. Bon, ben, je crois que c'est mon tour, alors j'y vais. Ils s'enchaînent sur les faces. Descends. Rotation. Alors maintenant que l'on a décollé et que l'on a mis le cap sur la zone de ravitaillement, je peux vous présenter l'appareil qui n'est pas qu'un avion citerne, contrairement à ce que certains d'entre vous auraient pu croire. Nous transportons certes une énorme quantité de carburant, mais il est situé sous nous, dans la soute et également dans les ailes, mais également dans la dérive de l'appareil, ce qui laisse, vous le voyez, une grande cabine quand même, de quoi transporter du personnel, mais également du fret, notamment des pièces de rechange pour avion, et même du matériel de survie maritime que l'on pourrait larguer à un équipage abîmé en mer. Mais bien évidemment, la mission première de cet avion, et c'est pour ça que nous sommes là, c'est le ravitaillement en vol. Direction le cockpit pour comprendre comment ça se passe. Capitaine, on est
en vol de croisière, là, direction la zone de ravitaillement. Expliquez-moi d'abord quelles sont les fonctions de chacun des membres d'équipage. Alors, ben, c'est très simple, c'est un peu comme dans un avion de ligne, en fait. Le pilote en fonction est en place gauche, c'est généralement le pilote commandant de bord. Et ensuite, on a un copilote, donc qui est en place droite, qui va gérer tout ce qui est panneau carburant et la radio. Et ensuite, on a l'opérateur de ravitaillement en vol qui est ici en son moment présent avec nous, mais qui ensuite, lors de les phases de ravitaillement en vol, partira derrière, dans le boom. Et ça, j'irai l'accompagner tout à l'heure. Exactement. Comment est-ce que ça se passe, le rendez-vous et le circuit que vous faites au moment du ravitaillement en vol? Eh bien, alors, donc, on peut voir sur l'écran ici, en fait, on a une zone qui nous est dédiée. D'accord. On a une altitude, donc là, on va aller au niveau 230. Et ensuite, on a une fréquence radio pour être en contact avec les chasseurs. Et puis c'est tout en fait. Et on donne une heure en fait de rendez-vous. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va ravitailler combien d'appareils et quel type d'appareil? Alors là, on va ravitailler 6 F-16 belges. Et ensuite, on va aller sur une autre zone de ravitaillement en vol, sur la zone Simone, où on va ravitailler un AWACS. Bon, ben, un beau programme en perspective. Exactement. À quelques minutes de l'heure du rendez-vous avec les F-16 belges, direction le fond de l'avion, une toute petite cellule située juste sous la queue de l'appareil, une petite cellule mais avec une vision grandiose. Station check, Brice, si on peut trop tarder, je pense à arriver, pas de problème. Navigation light. Donc, Major, ça me fait plutôt penser au sous-marin là quand même. Au sous-marin qui vole alors? Ouais, sous-marin qui vole, mais les prothèses de la cabine, c'est assez impressionnant. En revanche, on m'avait parlé d'une vue magnifique. C'est la plus belle vue aéronautique que j'ai jamais eue. Hein. Vous êtes blasé ou c'est toujours un émerveillement? Non, c'est toujours un émerveillement, on n'est jamais blasé. Donc là, vous êtes en train de déployer la perche? C'est ça, je suis en train de sortir la perche. Donc, cette perche, on la pilote carrément? Vous la pilotez avec quoi? Alors là, à ma droite, j'ai un manche qui permet de piloter en haut, à gauche, à droite. D'accord. Et ensuite, j'ai un télescope, donc je peux allonger ma perche. Ouais. Juste par rapport au panier où c'est le pilote qui vient s'enclencher, là le pilote vient se positionner, c'est vous qui enclenchez la perche. Exactement, donc quand on fait ce qu'on appelle du billet, donc un adaptateur avec un tuyau et un panier, c'est l'avion de chasse qui vient chercher un panier qui fait 60 cm. D'accord. Et là donc on voit qu'il n'y a pas le panier, il n'y a pas le tuyau. Et donc on place le chasseur avec des lumières qui sont placées sous l'avion. Ouais. Donc lui a un visuel des lumières qu'on pilote de notre place. On le met en place, quoi, voilà. On le met en place et une fois qu'il est en place, on vient chercher le ravitaillement. C'est nous qui venons mettre notre perche dans son réceptacle. D'accord, et ça demande une dextérité particulière? Une petite précision. C'est pour ça donc que la perche est pilotée, pour pouvoir aller chercher le réceptacle du ravitaillé. D'accord, donc vous êtes altitude constante, vitesse constante, et c'est le ravitaillé qui vient se positionner. Exactement. Vous allez donc pointer. Une fois que c'est dedans, ça se fait à l'avant, le basculement du pétrole. Voilà, la livraison du carburant se fait de devant. Moi, je suis simplement le rétroviseur de l'équipage. D'accord. Je leur annonce tout ce qui se passe derrière, les positions, si ça se passe bien ou pas bien. Et après, une fois qu'il est en contact, je leur annonce et c'est devant le copilote qui lui met les pompes. D'accord. Et on va avoir un contact visuel avec le pilote. Vous faites des petits signes, vous faites bonjour, comment ça se passe? On discute entre nous, on parle entre nous. Et puis après, des fois, on fait des petits signes. Bon, bien, on attend. Je les vois visuel. Donc le premier arrivera directement en master, le deuxième à gauche. Ça se rapproche, il est à 20 mètres. Ouais, il est tout proche. Hein. 5 mètres. 3 mètres. 2 mètres.
1 mètre. Il est stable. Et début de livraison. Donc l'assaillant rempli. Il recule. Ça va être 3300. Nos amis belges ont aussi une caméra à bord. Hein. Ils en ont deux. Bye bye. Donc là, on a délivré combien de carburant à peu près? On a mis un peu plus de 2 tonnes. Une tonne 5. Un peu 3300 livres. En combien de temps? Alors, on a mis combien de temps? Une minute à peu près? Ouais. Les airs à droite. Et il passe en observation. Et il se rapproche. À 10 mètres. Un peu plus rapide. 5 mètres. 3 mètres. 2 mètres. 1 mètre. Stable. Et bientôt, les F-16 devront s'habituer à un autre appareil que celui à bord duquel nous sommes. Le C-135 est en toute fin de carrière après de très nombreuses années de bons et loyaux services. Son successeur, l'A-330 MRT, arrive dès l'année prochaine au sein de l'armée de l'air. Un avion à découvrir en avant-première grâce à Carnet de vol. L'Airbus A-330, plus connu dans sa version commerciale, fait aussi depuis peu une carrière militaire. Transformé en ravitailleur en vol, le gros biréacteur a déjà été commandé par 12 armées de l'air. L'Australie, la Corée, le Royaume-Uni ou Singapour, les forces de ces pays utilisent déjà le MRTT. 62 ont été commandés, 32 ont déjà été livrés. Le MRTT aujourd'hui, c'est un produit de référence, hein, c'est vraiment le ravitailleur de nouvelle génération. Et il est de plus en plus demandé par les opérationnels, par les armées de l'air. Et aujourd'hui, on est sur une capacité de 5 avions produits par an. Et c'est déjà des taux de production assez importants pour le MRTT et qui est amené à augmenter suivant les desiderata des Air Force. C'est dans l'usine Clément Ader que sont construits tous les A330. Parmi eux, similaires à ceux des compagnies, quelques avions partiront pour Madrid. En Espagne, ils seront modifiés pour devenir de véritables stations-service volantes. À Toulouse, la part du militaire reste faible dans l'industrie aéronautique, mais les besoins mondiaux en ravitailleurs pourraient renforcer ce secteur. Les ravitailleurs en vol, maintenant, sont, suite à une demande des clients, doivent être multirôles, c'est-à-dire emmener des troupes, des passagers, de l'évacuation sanitaire et, bien sûr, la base initiale des ravitailleurs en vol, de ravitailler des avions en vol. Donc on peut combiner tout ça, d'où le nom de MRTT, multi-rôle, tanker et transport. Les cabines des MRTT sont donc aménagées un peu comme celles des avions commerciaux, en version économique bien sûr. Elles seront destinées au transport de troupes, avec un maximum de 400 passagers et leur équipement. Les soutes, elles, peuvent transporter 37 tonnes de matériel. Elles sont exactement comme celles des avions civils. Les équipements seront conteneurisés. L'appareil peut aussi recevoir une version évacuation sanitaire en étant équipé de 40 civières, 2 lits médicalisés et accueillir 30 personnels médicaux en plus des 100 passagers. Les A330 ravitailleurs, dont les capacités sont supérieures à son concurrent américain, peuvent aussi se ravitailler entre eux, ce qui permet une disponibilité quasi permanente dans le ciel, au-dessus des zones d'opération. Nous sommes à Retafe, dans la banlieue de Madrid. C'est donc ici que l'A330 est transformé. Il faut installer la lourde perche télescopique sous la queue de l'appareil,
Les pods, ces sortes de paniers de ravitaillement sous les ailes, les pompes de transfert de carburant et les systèmes de guidage. Este de abajo, este y el otro, la otra esquina, la otra esquina. On va, dans un premier temps, démonter une partie de l'appareil. Donc on va libérer tous les espaces cabines dans lesquels on va devoir intervenir pour réaliser les travaux de transformation. On va intervenir sur les ailes pour monter les pods de ravitaillement. On va intervenir sur la queue de l'avion. On va intervenir sur le toit éventuellement pour ajouter des systèmes de réceptacles de ravitaillement. On va intervenir dans la cabine. On va monter les systèmes de guidage. Enfin bon, là on est sur la partie structure. Donc la partie structure, c'est quelque chose de très important. Retenez simplement le chiffre suivant. On va monter 19 000 rivets sur l'appareil. Hein, on va rajouter en tout 15 tonnes de matériel. Deux avions destinés à des pays d'Extrême-Orient attendent leur livraison sur le parking de Rétafé. Objectif maintenant pour Airbus Military, capter la plus grande partie de l'énorme marché mondial du renouvellement des ravitailleurs en vol. On va dans tout le monde pour montrer les capacités exceptionnelles de l'avion. Et on a réussi beaucoup de contrats dans le passé et dans le futur. Et nous, on est très contents avec l'avion qu'on a parce que c'est vraiment un avion qui peut faire toutes les capacités qu'ont besoin nos clients militaires. Et un jour, recommencer à essayer de conquérir le marché américain? Bon, on est prêt pour pouvoir arriver à tous les marchés qui ont besoin d'un ravitailleur opérationnel aujourd'hui avec une capacité très large pour des avions, comme vous avez dit, des chasseurs, des avions grands, des missions tactiques, des missions stratégiques. Alors c'est un avion qui aujourd'hui, c'est une réalité et on verra dans le futur avec des sortes de concurrents. Et pour terminer, ces magnifiques images inédites des essais des premiers MRTT français il y a quelques jours sur l'océan qui, pour la première fois, venaient au contact de nos rafales. Retour à bord du C-135 cap sur Simone, la zone Simone, où nous avons rendez-vous cette fois avec un gros porteur, un AWACS. Il s'agit en fait du même appareil que le nôtre, un Boeing 707, mais équipé d'un énorme radar sur son fuselage, avec comme mission la surveillance de l'espace aérien. Il est à droite, il va arriver par la droite. Il est à moins 1000 pieds, il a 11 nautiques à travers gauche pour roue derrière quoi. On le cherche. Il est gros, hein. On le voit pas. Ah si là. Ça y est. Je vais voir le télescope. Ah ouais, ça y est. Le ticket c'était bon, il est à 5 nautiques derrière. À 200 mètres. À 50 mètres, il arrive en observation. Voici. Bah, écoute, on est stable, on a une quarantaine de nautiques du bout de vent, là, enfin 3 nautiques du virage. Ok, eh ben, je le prends en compte. Okay. Vas-y. Il se rapproche, 15 mètres, à 10 mètres, un petit peu bas. C'est combien la minute de kérosène? Là, c'est à peu près 3 tonnes à la minute. D'accord, on est stable. C'est 2 tonnes 5 à la minute à peu près. Là, on a combien de distance en fait? On a une dizaine, 15 mètres à peu près. D'accord. Ouais. Là, on dirait vraiment qu'il est fixé. Hein. Ah, aujourd'hui, c'est stable, l'air est stable. On voit que c'est le pilote qui est à gauche qui travaille, on voit ses bras qui bougent et donc ils se battent un petit peu quand même. Ouais, on voit que les pilotes sont quand même bons, hein, que ce soit les chasseurs ou les ou le, la wax, quand même, c'est bien stable. Hein. Verdict sur le pilotage des pilotes? Ah non, là, c'est bien, là, c'est très bien, c'est très stable, c'est pas toujours le cas. Ouais. Bravo les pilotes. Bravo le boomer aussi, hein. Vous avez bien visé. Ah.
Il recule, 5 mètres et 10 mètres. Voilà, c'est avec cette vue incroyable que nous allons terminer ce numéro de carnet de vol. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à découvrir la mission de ces ravitailleurs en vol. Merci donc à tous les personnels de l'escadron Bretagne, mais également au SIRPA Air et notamment au lieutenant Gray pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée. Je vous souhaite une très belle fin de journée. La mienne sera sans doute contemplative. A très bientôt et bon vol. Je dis que carnet de vol, ils sont gardés là. Ah là, là, il y a une super image. Là, c'est magnifique. Là, c'est beau. Hein. Là, c'est magnifique. Je vais surfer un peu là pour le plaisir. Allez, je vais devoir descendre, c'est parti. Allez, on plonge. Tout est dans la boîte.